Alors, le 3 janvier, quelque chose d'énorme se passe. C'est une date géniale. C'est la fin du voyage initiatique. C'est la clôture du voyage initiatique. Et sachez que sur l'île d'Amantani, qui est une île sacrée où il y a le site de Pachamama et le site de Pachatata, comme deux tétons qui constituent l'île, eh bien, les autochtones vont monter sur ces deux sites. On aura fait, nous, les initiations sur Pachamama ou sur Pachatata ou sur les deux à des jours au préalable. Mais le 3 janvier, c'est que nous allons participer à la fête des autochtones et ces sites sacrés vont être ouverts physiquement. Nous allons pouvoir le filmer puisque normalement cela capte. Autrement, vous allez avoir la retransmission après lorsque la vidéo pourra être mise en ligne. Va être un spectacle magnifique. Il y a très peu de personnes qui voient ce spectacle où tous les autochtones, tous les ans, à cette date précise, montent sur les sites sacrés pour faire leur rituel. Donc, il va y avoir l'énergie des rituels des autochtones, et toute l'énergie que vous aurez reçue pendant le voyage initiatique. Donc ça va être une super clôture de ce voyage initiatique avec cet arc-en-ciel, on va dire, de couleurs, cette explosion de festivités par les gens en direct. Et sachez que l'énergie de l'île est très préservée, elle n'a jamais été énergétiquement mise à bas, ce qui fait qu'il y a une pureté énorme sur cette île. Alors, le 3 janvier, ne loupez pas ce rendez-vous de la grande fête avec les autochtones sur Pachamama, Pachapata, sur l'île d'Amantani, dans le lac Titicaca exactement, le lac qui est une énergie puma, une énergie du cœur. Donc ça va faire une explosion de rayons de bonheur et de joie dans l'espace du cœur, de connexion dans l'espace du cœur. Et ça va être vraiment cette relance aussi avec ces maîtres ascensionnés qui sont cachés en intra-terre, qui vont se montrer, se présenter à ce moment-là pour les personnes qu'auront choisi, on va dire, de libérer dans la profondeur de ce qu'ils avaient à libérer. Ça va être le grand cadeau exceptionnel qui, 2 mois après, va être mis en place. Ça veut dire que sachez que vous êtes venu ici sur Terre en tant qu'âme spirituelle, vous incarnez pour aller récupérer, on va dire, ces encodages sacrés qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et c'est la porte dans l'acte Titicaca qui se ouvre à ce moment-là, qui va permettre de redonner ces codes divins qui sont cachés dans l'intra-terre et que maintes et maintes fois nous avons essayé, en venant nous incarner sur Terre, de pouvoir nous réapproprier et que nous avons malheureusement pas réussi. Donc, cette fois-ci, ça va être la bonne. Êtes-vous prête ? Inscrivez-vous vite. Place limitée.